m'appelle Thierry Fournier et je suis le professeur de percussion digitale du CRC Limay. Alors la percussion digitale, en fait, c'est tous les instruments à peau. L'instrument de base, ça va être le djembé, donc instrument d'origine africaine, qui est, celui-là il est très joli, n'est-ce pas, qui est fabriqué dans un tronc d'arbre et avec une peau de chèvre par-dessus. Alors ça, c'est notre instrument de base, mais dans les ateliers, on utilise aussi, en fonction des morceaux que l'on monte, différents autres instruments comme les congas, le bongo, le caron. C'est un instrument très simple, mais c'est à la main de faire le son. Faire plein de sons. On peut faire aussi des rythmes très... Voilà. Alors, dans les autres instruments, la congas, on les joue par deux. Vous voyez? Donc, les peaux sont plus épaisses. Pour apprendre ces instruments-là, il existe une codification que j'ai mis au point qui permet de retrouver les rythmes et de se les chanter et de les mémoriser. Nous avons aussi les bongos qui, eux, se jouent plus avec le bout des doigts. Ça, c'est le caron, instrument actuel, qui est un instrument entre la batterie et la percussion, et le djembé si vous voulez. On a la grosse caisse qui est là. Ça remplace la caisse claire. On peut aussi jouer avec les pieds. Des petits accessoires de percussion à foucher qui viennent accompagner les musiques. Tiens, chichi. Alors ça, on peut les utiliser avec les instruments, bien sûr. Alors imaginons qu'il y a plusieurs personnes qui jouent. Ça en accompagnant des musiques qui sont créées pour l'occasion. Voilà, le mieux c'est de venir et...